Ça y est, c'est le jour tant attendu de l'inauguration de notre plage canine. Ça faisait des années que nous l'appelions de nos voeux. Elle est là, ça y est, c'est une réalité tangible pour le plus grand bonheur des maîtres et des animaux. Un espace qui leur est enfin dédié pour qu'ils partagent ensemble l'activité de plage et profiter pleinement de l'eau en cette saison estivale qui s'annonce pour le moins des plus chaudes. Nous sommes particulièrement heureux et je tiens à remercier l'ensemble des services et la volonté aussi de tous les élus de porter ce projet, de le porter jusqu'au bout. Il a du sens, il nous permet d'être crédibles dans ce vers quoi nous nous étions engagés. Nos amis, les animaux sont là, ils sont heureux, ils sont ensemble et on peut dire que véritablement La Ciotat est une ville amie des animaux. Nous avons été d'ailleurs dûment reconnus comme tels auprès de la région en obtenant d'ores et déjà pour notre première participation les deux pattes. Ça nous permet déjà de nous rassurer, de nous réconforter dans cette démarche et de nous dire que nous allons aller plus loin et qu'après la mer, eh bien, il se cache la terre et il y aura aussi des projets pour nos amis les bêtes avec leur maître sur terre dans un parc à jeux aussi qui leur sera spécialement dédié. On est très heureux de faire cette inauguration pour la plage canine car c'est un projet qui nous tient à cœur pour qu'ils puissent s'amuser, patauger dans l'eau. Franchement, on est super heureuse de participer et d'inaugurer avec le maire cet événement. Je trouve ça vraiment exceptionnel que nous, à La Ciotat, nous ayons cette plage parce que pas toutes les communes en bord de mer en ont une. On est ravis pour nous et pour les chiens et puis on va pouvoir continuer sereinement nos entraînements. C'est très bien, ça faisait très longtemps qu'on l'attendait, ça fait 2 ans que j'ai mon chien et en 10 minutes à pied on y est, donc c'est super. Mes beaux-parents ils habitent là avec un chien, donc ils étaient assez déçus qu'il n'y ait plus de plage. S'il y en avait une avant, je ne sais plus où, mais ils pouvaient sortir le chien. Et donc ça manquait, donc là c'est plutôt top, on va pouvoir un peu le faire se baigner l'été quand il aura chaud. Et puis le mettre avec d'autres chiens pour qu'ils se rencontrent un peu et qu'ils évitent de vouloir se friter dès qu'ils se voient. Alors Biscotte, c'est un Ciotat dingue qui adore faire des balades au bord de la plage, sur le port, qui adore flâner pour qu'il vienne se rafraîchir, s'amuser en toute sécurité entre chiens. C'est vraiment une idée vraiment très très bien. Et je remercie Monsieur le maire de penser à nos animaux de compagnie. Qu'est-ce que tu penses de cette inauguration de la plage canine à La Ciotat ?